est-ce que vous, qui aviez le bras cassé, dont la radio a confirmé, est-ce que tout de suite, on vous a pris en charge pour, ne serait-ce que prendre en compte votre fracture? Est-ce que ça a été fait au cancer mouri? Bay an jungo ngon heli be ndari be tay ngo helama ko dong e dong be nangi fi jungo ngon habba gongol e wadagal plakon ko dong e dong be kere be wadi dum babe wadi jungo ngon radio per kilo yalti ko helungo min yo be jonnam per kilo ngo wi non min ko inganga kadi o wado eni no quand ils ont fait la radio de la main c'était fracturé. Je les ai dit de me remettre les pellicules. Il a dit non. Et de faire aussi pour le pied aussi, il a dit non. Est-ce que vous pensez que cela est normal dans un pays? On ne vous prenne pas en charge suite à vos blessures. Est-ce que nous non? Non, en ce moment, il n'y aura pas d'aide. Dites-moi, au camp Samori, est-ce que vous avez constaté la présence d'autres personnes qui venaient du stade? Ou quand ça mourit aussi, tu as un tasse qu'on a, ou à peu près d'ita de castal de ton. Oui, quand nous on est comme jour, nous qui a si fait on doit camion al fourrier d'ingar garer ta quando, mais il nous tato, be un civil. Oya no wa di happy linchung kahore, chieda na tomo jogi laspergi d'ingar ilegangal ko o ba fata ko mo ino beure be mo inta ko chieda no baka e maggal ko no himo soppa. Be fomba be tato kala be soppa ka bawo ya no ka bobi ga chonchi dinu hetta ni koko soppa mi bendo be nadri be kala chelunara no do. Donc c'est vrai, quand on était là-bas, on a trouvé d'autres personnes qui sont venues, trois personnes en civil. Ils étaient blessés. Ils étaient habillés ko civil be wattu no. Be wadi ko dum ko tiede be wadi ka hore linchoy ko l'aspect yidi kadi tiede no wada. Les gens qui éroboraient les mouchoirs ici avec les coris, avec des lances pierres aussi avec des coris, on a vu des gens comme ça blesser trois personnes qui étaient admises là-bas aussi. Ils avaient des blessures ici, les chaussures, les habits étaient déchirés aussi. Au moment où le camion est venu, au moment où ils ont fait venir le camion, j'ai constaté ça. Est-ce que vous savez qu'il s'agit des miliciens qui étaient au stade et qui ont perpétré ces massacres? Ils font partie parce que nous, tous ceux qui avaient des brassards, on nous a dit d'enlever. Parce que pour ne pas se confondre avec d'autres personnes qui viendront, qui ont des brassards aussi. Est-ce que vous savez que, comme vous l'indiquez comme ça, les coris sur la tête, c'était justement pour identifier ces miliciens-là, pour qu'eux-mêmes ne soient pas tués dans les mouvements. Est-ce que vous savez ça? Aussi, tu as Andy, denke de kobiorno kakoe. Koti dingol be fi tabe waroi be kambe tigiton. Takure den haure ma. Bon, peut-être que c'était pour indexer, c'est bien possible. Pour eux, c'était pour indexer les gens là, pour ne pas qu'il y ait des choses. Leur présence au camp signifie certainement qu'ils étaient là pour une prise en charge médicale, oui ou non, logiquement. On a vu que quand tigi haré kambe haré ko nyawdo gol be ka kambe nabunobe. Ah, kambe natuno do ha mi wido mi yari be yalta. En tout cas, quand ils sont rentrés. Dès qu'ils sont rentrés, juste que moi j'ai quitté, je ne les ai pas vus ressortir. Donc, on prend les bourreaux qui ont perpétré les massacres au stade et on les soigne au camp. On vous laisse, vous les victimes, à votre triste sort. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas mis ton don, wadou ben massibo ben, massimbi ben, 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 ben. Oui, c'est comme ça. Et ils ont eu plus de chance que nous. Si ces gens-là, les miliciens-là, n'étaient pas préparés, conditionnés par le pouvoir en place, est-ce qu'ils se seraient rendus au camp Samori, l'épicentre même du pouvoir militaire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que si tu es non, même milicien, il n'a pas
ko gouvernement won woni ko imminibe madun ko sori be woni ko imminibe be wa wayno nyaaw yawde ka kan tigi 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 ka sori ben woni don tigi tigi fi nyaawdo egol be wa watano il ne pouvait pas n'est-ce pas et vous savez que ces gens ont commis d'énormes massacres au stade wo si day don andi ben ko bonnereji buy ko masibo masibo aji buy be wadi ka stade. Ah, ce qui s'est passé là-bas, c'est eux seulement et Dieu, bon Dieu qui sait. Vous avez dit justement concernant ces miliciens qu'un d'entre eux avait léché le couteau qui était encore ensanglanté suite après avoir poignardé une femme. Est-ce que vous le réitérez? Aïnido Gotogo Sminisenjo. Ombetuno Labikine. No wonere. Hein? Des individus fanatisés qui ont été préparés justement pour aller massacrer la population au stade. Est-ce que vous trouvez que cela peut se faire sans le consentement des autorités de l'époque? Est-ce que c'est possible? Wano sugudun don tafano yimbe mbe mo ina fi yobe yaw be masimbina yimbe ben ka tereng. Est-ce que dun don no wa wonde e ba o lamungu? Wa wata wonde. Ça peut pas être. Est-ce que vous avez de la compassion par l'État? Est-ce que vous avez bénéficié de la compassion de l'État suite à ces événements? Est-ce que le gouvernement on n'a pas eu la compassion de l'État, sinon ça n'allait pas se passer comme ça. Quel est l'état actuel de votre santé? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez un homme très athlétique, mais en partant à la barre, je vous ai vu boiter. Est-ce que c'est comme ça que vous étiez avant? Quand on y alhali ma fendo do parce que mi den hum pitono ko ar kon yimbe yeddube darnobe kono fendo ka ardondo ka bardo min tigi mi taski don lajo seeda kono woniri hari mi do mari tellal hari bero ango mingadi kono ilande makabe libidino lan elajida ko nganga wayliti dado go taji mi hebi tar tellal ha kam wondo jungo ngon ko mi habani horal. Bon, moi aussi j'avais une bonne santé à ma manière. Mais depuis qu'on m'a terrassé avec l'âge, nous sommes tombés là, l'autre nerf là est coupé. Jusqu'à présent, je ne me suis pas retrouvé ma santé pleine. Meilleure santé, monsieur Ba. Je vous remercie, monsieur le président, allez. Honorable assesseur. Merci, monsieur le président, de m'avoir donné la parole devant votre auguste et respectable tribunal. Monsieur Abdoulaye Troaba, pour vous, avec tout ce qui s'est passé, le colonel Kebro Camara, est-ce qu'il était venu pour maintenir l'ordre ou bien pour aider ceux qui massacrent à massacrer? Quoi qu'on fait, donc qu'on faut, on en est gendarme. Colonel Kebro, warno ko maintien dordu ka ko walute gol wadunobe masibo be masimbina yimbe be kango di go hore wado be masibo be. Il est en tête de ceux qu'ils ont massacré. D'accord. Est-ce que il sait que lorsque les leaders étaient chez le chef religieux Gomez, quand ils ont reçu l'appel des militants d'aller au stade parce que le stade est archicom, quand ils sont venus au niveau de l'université, le même colonel Kebro est venu leur dire de ne pas aller au stade, de reporter la manifestation. Fendo be yaw non ka yimbe dina ben wo baybe buri don be ari ha ka université don wo colonel Kebro kadi o yaw non o forti di mabbe woni tabe yaw ka stade o sitay dum waduno. Dum waduno. Oui, c'est fait. Est-ce qu'il sait que M. Seloudalin Diallo a déclaré sur RFI que c'est quand qu'on a cassé ses côtes, ses quatre côtes, c'est quand ils l'ont pris comme mort qu'ils l'ont abandonné?
Est-ce qu'il est au courant de ça? Aussi tay kolon ala gisel lube makuno ka radio RFI. O bay be heli mo becce den didi o wali wati o wati hore makko o so mayi o konsay be accitunomo. Du ona watugol hore mabbe si mayi hari don hay min tigi hari ko bammi do yide be fofu de si mi andi be wonde wonki. Ce n'est pas se laisser pour mort parce que même moi qui l'ai vu, c'est lorsque j'ai vu qu'il respirait car en ce moment que j'ai su qu'il n'était pas mort. Est-ce que, normalement, si c'était pour protéger les manifestants, maintenir l'ordre, est-ce que Selou Dalein Diallo peut être dans cet état? Si tu es un Hugol Mars manifestant bébé, nous inéterre de nos protèges, Hugol manifestant bébé, est-ce que Allah dit Selou, heute no kabe heute ni modom ala ci le piatano ke minute anjay goto piatano ke waratano ke on n'allait pas bastonner la cellule. Aucun autre militant n'allait être bastonné ou bien on n'allait pas donner la mort aux militants.